Des tulipes, crocus ou encore narcisses fleuriront dans le jardin de certains de ses visiteurs. Ces bulbes faisaient partie des 60 variétés proposées ce week-end à Beach. 22 exposants, parmi lesquels des horticulteurs, des producteurs d'herbes aromatiques ou encore des vendeurs d'outillage de jardin ou de décoration extérieure, se sont installés dimanche au cœur du jardin pour la paix. C'est la période idéale pour organiser la fête des bulbes. À partir de fin octobre, ce sera le moment de les planter pour qu'ils puissent fleurir au printemps prochain. C'est donc maintenant qu'il faut faire son choix sur les fleurs qu'on souhaite faire pousser chez soi. Le Jardin pour la Paix a à cœur de sélectionner chaque année des variétés originales, inspirées des plantes que les visiteurs peuvent admirer sur place. Certains ont pu d'ailleurs découvrir les nouveautés de ce lieu situé sur les hauteurs de Beach. En effet, l'entrée au site était gratuite. Au mois d'octobre, le jardin fermera ses portes au public, avant de rouvrir au courant du mois d'avril, en pleine floraison.